Pardon. Les gars, je peux, mais je fais de la voix. Vas-y. Attends, je me mute. Les gars, d'ailleurs, vous m'entendez pas. Go, t'es pas mute. Bizarre. Oh merde! Oh putain, fais chier. Bah, réchauffe-toi, gros, t'inquiète. j'ai passé un texte, hein, ça commence bien là. Oh. Sur ship level 3. C'est quoi? J'ai appuyé sur F2. Fais F2. Fais F1. Ah. Sur ship, c'est quoi? C'est... Ah, attends. C'est la censure, ok. Mais zéro. Attends, ouais, non, faut savoir si la censure elle se met à 5. Parce qu'il faut savoir dans quel sens la mettre. Je remets à 2. 2 c'était le défaut. Un gan. Ah non, attends, revois les options, refais échappe. Il y avait une échelle. Comment? C'était quoi ça? Attendez, non, tu peux m'envoyer le lien. Ah, le niveau de doublage. Je te l'ai déjà. Oh, ouais, c'est quoi? Attends. Là, c'est la censure au niveau des doublages en gros. Donc genre en gros, ils vont dire plus de trucs. Ouais. Le niveau par défaut 2 est vraiment... En gros, il dit pas des insultes en japonais, quoi. Oh, j'ai pété. En gros, si on met une max 5, ils vont faire que parler. Ouais. Non. Le niveau par défaut 2 est probablement l'option la plus équilibrée. C'est en gros quand il va pas dire le N-word des trucs dans le joueur, quoi. Oh, dommage. Non. Bah, tu peux mettre... Ok, je désactive pas la synchronisation pas, labiale. Non. Ouais, t'as de la chance. Tu m'as dit quoi, Game? Désactive la synchronisation labiale. Ok, il faut que tu m'acceptes. C'est quoi? Je sais pas, frère. Nintendo Switch, ouais. Ok, vas-y, le fais pas, gros. Parsec. Je crois bien qu'il y a un mec qui t'envoie. Matro. Absect. Comment tu vois? Ah, bah, je compte, t'es sur le Parsec. Il est con, lui. Hop. Voilà. Vous êtes chaud? Non. Ah! J'ai froid là. Oh. Ok, attends. Ah! Thomas, on t'entend vraiment pas là. Frérot. Jumping, pardon. Wesh. Jumping. Ouais, allo? Allo, vous m'entendez là? On t'entend super bien. Mais. Vraiment pas trop. Allez, vas-y. Non, ça y est. Par contre, parle par la bouche. De retour chez moi, j'ai fait mes préparatifs. Commence mal. Très très mal. Après tout, j'ai promis à Rena de l'aider à déterrer mamie, la fameuse statue du colonel Sander. Oh la blague. Attends, je vais faire ma part. Répète gros, on a vraiment rien entendu là. J'ai dit la bug de merde, connard. Ah, alors. Super. Ah, le chronomètre là. Mamie, j'arrête. Non, mamie. Ok, j'ai. Non, vas-y, on va. Hasard, il est parti, j'annonce. Je suis là, frère. Bon, vas-y. Dis-moi, mens. Tu sais pas où on aurait des gants de travail? Il mon. Me faut aussi une serviette. Mens. Pardon. Oh, la mer, c'était moi, ça. Je m'en souviens. Ah. Ah non, je crois que c'était. C'était moi. Regarde dans la commande de l'entrée pour le gant. Putain, c'est une merde. Ah, mais tu l'as déjà dit ça. Les serviettes sont près du lavabo comme toujours. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Je levais la tête et vis ma daronne me jeter un regard inquisiteur. Eh bien, Keishi. Mais comment allez-vous avec tout cela? Au pire. Si je ne m'y ai pas aujourd'hui et que quelqu'un rajoute encore des trucs sur le tas, on ne l'aura jamais cette statue. Et je parie que Rena irait aider l'écho devant la prochaine Fred Chicken pour voir ce qu'elle veut. Je veux aller creuser pour aider quelqu'un de ma classe. Je ne veux pas qu'elle devienne une criminelle. Parfait de wing, ne rentre pas trop tard, d'accord. Sok. Elle retourne dans la cuisine, mais n'avait pas l'air convaincue de ma bonne foi. Oh. Alors que je passais par le raccourci dans la forêt pour aller au barrage, une ombre surgit brusquement devant moi. Oh non! Let's go! C'était Tommy Takekun! Je me demandais s'il avait pu faire de bonnes photos par ici. J'espère qu'il ne fait pas que photographier de jeunes hommes taciturnes dans le soleil couchant. C'est qui, Jean-Luc? Je crois que c'était Gabe. Ah, ok. Ah, on s'est vu l'autre jour, non? Non.
Keshi, c'est bien ça? Oui, merci encore pour l'autre fois. Bah, c'est Gabe qui répond à Gabe qui répond à Gabe. Je décidais de doubler mes doutes à son sujet. Oh. Ah, en fait, tu la connais la fille là-bas, hein? Elle parle de Reyna, obligé. Et elle parle souvent de Reyna. C'est juste par son air effaré, il a dû se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se prenait avec une hache, son fourreau. Wesh! Et le pire, c'est qu'elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Ah! Oui, c'est bien Reyna dont il parle. Elle doit être toute excitée à l'idée d'avoir sa statue ce soir, alors forcément ça doit se voir. Je suis comme ça en vitesse. Parce que j'ai tout de suite su que quelque chose de cloché. Mais tu crois que je devrais appeler la police? Oui. Mais quand on la voit faire tourner cette hache comme un bâton de majorette avec cet air surexcité, c'est vrai qu'une fille de son âge qui se balade le soir avec une hache défourrée, ça a de quoi étonner. Tomitake est donc tout à fait normal. Mais laissez-la donc. Ce n'est rien. C'est très suspect ce qu'il vient de dire là. Elle est simplement à la recherche de sa prochaine victime. Non, en fait non, ça va, c'est pas suspect. Cette remarque a l'air de la faire paniquer encore plus. C'était le... Bah, je suppose que les gens normaux ne peuvent pas le comprendre. Autant jouer au jeu. Il abuse trop sur les gens normaux, genre. Ouais. Ah, autant jouer au jeu. Il rajoute une grosse couche de mystère. Ah, elle a tué mon père une fois. Si jamais on vous retrouve mort dans le coin, je suppose que ce sera elle l'assassin. Il continue. A votre place, je ne laisserai pas mon traîner un peu partout. Ferme ta gueule, Kichi. Quoi ? J'ajouterai un petit sourire sardonique, sardoche, avant de me diriger d'un pas ferme vers le barrage. Il dit pas que c'est une blague ? Ah non, bah... Je fus très surpris lorsque Tomitake ait pris la parole. Kichi... Est-ce que c'est ta façon de donner un petit conseil d'ami à un étranger comme moi? On est trop chelou en fait, d'un jeu. Il comprend pas l'humour, celui-là. Je vais le dire autrem. Oh, Lodé, hein? Ah 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 ah! C'est Noah là? C'est moi. C'est moi. Va sur le stream et mets des messages pour le référencement, s'il te plaît. À vos ordres. J'ai compris, je ferai attention. Oh. Il tourna les talons aussi secs et à l'instant d'après, il n'était plus là. Un étranger, lui? On n'est pas dans un film de série Z. Matros, ton moment. Là, je déconne. J'avais juste... Ouais, je vais dire... Ah, j'ai compris plus tard. J'avais juste voulu lui faire une blague. Mais là, j'avais l'impression d'avoir surtout fait une belle boulette. On se barre comme ça, genre. Oui. Donc là, le mec pense que Reyna est une meurtrière. Voilà. On passe par tous les endroits du monde, là. Oh, pas elle. Elle est en cuisinière pour... Elle est en cuisinière, là. Les armes. Petit barbecue. Je suis en retard, c'est pas grave, allez, on y croit. Je comprends la peur de Tomitake. On comprend, croyez-moi. Tu devrais pas te balader sans le fourreau de la hache. Oh. Les gens vont s'imaginer des trucs. Apparemment, on l'a perdu, en tout cas, il n'était pas avec. Oui, je crois que ça va. À bien y réfléchir, ce n'est pas si grave. Ah, tout ouais. Le village était au courant de son comportement si particulier. Mais frère, c'est... Ok. Je suis sûr que personne ne s'étonnait outre mesure de l'avoir se balader dans le village avec une hache à la main. Attends, bah oh mon dieu, elle a une hache, c'est une meurtrière. Peut-être bûcheron, non? Bah tant pis. Elle a une hache là? Bah... Ah, et elle le cache dans son dos. Parce que regarde, elle est comme ça, genre. En mode, ouais. Elle a une hache invisible, genre. J'ai l'impression. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est ça pose de tout le temps, ça. Allez, ce soir, ce sera la bonne. Arrête. Putain, ma truc, j'avais pas l'air dessiné avec la. Du coup, c'est. Plus qu'une poutre et on pourra la tirer de là. Poudre. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, laisse-moi faire. J'ai tout ce qu'il faut. Le esprit des gangs. Tiens. Je pris la hache
qu'elle me tendait et descendit la pente instable de la décharge. Et, pouf, et on se met la gueule, fin du jeu. Un peu de patience, mon petit Sanders. Pour ce Sanders, on le voit pas. Ok, reste en retrait. Je vais en faire une bouchée. KFC. Astérix Obélix. Je l'ai. On a entendu un gros étoc très sec qui se réverbera tout à la ronde. Alors, on danse. Tu penses que tu vas y arriver? Que tu y arriveras? Non mais t'as Zap, t'es pire que lui, gros. Quoi? Tu peux pas parler, tu changes tous les mots des phrases, toi. C'est trop dur, t'es force pas, Zabi. Si j'arrive à la casser, on pourra se débrouiller pour la sortir. Aujourd'hui, il fait beau. Je me suis préparé, je suis en forme. On l'aura. Sauf que l'ennemi était quand même nettement plus courageux que ce que je l'avais imaginé. Il était level 32. Référence au jeu vidéo. Ouais, ouais, putain. D'une, il se trouve que je n'avais jamais utilisé une hache auparavant. J'avais voulu le faire des fois pendant une excursion avec l'école. Mais finalement, je n'avais pas gagné le droit de le faire. De plus, le sol n'était pas plat. Et donc, il m'arrivait de perdre l'équilibre en tendant la hache en arrière. J'ai décidé de faire une pause. J'en ai marre de cette voix de racaille, les gars. Ta gueule, hein? Oh! Ok. Rena avait ramené une nappe, un peu de thé noir et quelques gâteaux qui avaient l'air très sucrés et oui. Non, ils ont bu. Ah, pardon, je suis bilingue. T'inquiète pas, va. Mais c'est pas toi en plus! Il sous ma gueule! Ah merde, c'est pas moi en plus! Et il a trois de cuit, frère, oh là 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 là. Il est laid, ce con! T'inquiète pas, Zubi. T'inquiète pas, va. J'en ai plus pour longtemps. Oh! Ce soir, tu pourras lui faire la bise avant d'aller au lit. J'ai l'impression que c'est une figurine, hein. Mon tonton, il m'a dit la même. Oh! What? Il m'a dit que c'est à toi? Oh. Voilà. Oh merci. Ça, c'est l'état de conservation actuellement. Je lui ferai la bibi 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 bibi. Oh. Au fait, tu disais l'autre jour que tu venais juste d'emménager. Tu habitais où avant? Je posais la question tout en portant ma tasse de thé à mes lèvres. Je croyais qu'elle avait toujours habité ici. Marche! Plus à l'est, dans le canton. Quand. Elle a capturé Groudon? Bon, allez. Ta gueule. C'était pas la campagne de la. C'était pas la campagne de Pokémon Rouge Feu, Zarnofal? Ah, j'avoue. Mais c'était pas la ville non plus. Mais alors, Yoemi. Pourquoi avoir déménagé? Surtout pour venir à Inamizawa! Inamizawa! Rah! On est chaud quand même. Quand même un coin vachement paumé. Et toi alors, pourquoi vous êtes venu emménager ici? T'as un rapport avec ton gros daron? Moi je dis, elle change de sujet, gros. J'avoue. Ouais, il voulait avoir son atelier. Il a toujours dit qu'il voulait en avoir un près des montagnes pour l'inspiration. Un atelier? Mais alors, ton père il crée des dessins? Oh putain, ferme ta gueule! Oh là là! Il m'a trop, ça fait 3 ans. Il ne fait que peindre des paysages. Il paraît qu'il fait une expo environ 2 fois dans l'année. Je sais pas trop où. Au début, les expos étaient placés dans le fameux Plaza, Stéphane, du district Ota, à Tokyo. Mais en ce moment, il a ses expos dans le site de Makuhari. Il aimerait exposer dans un centre international un jour, si possible près de la mer. La mer! Ça a l'air super impressionnant. Ça s'en bat les couilles, hein, je te dis. Ouais. Il faudrait que tu le montres ce tableau un jour. Fais Rémi. Comment pourrais-je lui avoir avoué que je ne sais pas du tout ce que part mon daron? Je lui donnais la réponse la plus vague possible, puis me lever pour couper court toute discussion. Ça se trouve, il peint des gens. Ça n'a pas été trop dur pour toi? C'est que chez moi que ça bug. Attends,
Ça bug le stream? J'ai pas trop l'impression. Non, je pense pas, non, non. J'ai perdu. Non, je pense que c'est toi, Amy, nous. Nous, ça va là. Je sais pas. Ça va bien. F5 peut-être? On se décolle en pleine année scolaire quand même. Comme même. Comme. Bof, ça va. De toute façon, j'en avais marre de vivre en ville. Ah, nice. Au final, c'est moi qui fis les questions et les réponses. Je pris la hache en main et butin, Rena! Et non, pardon. Et me réattaler à la tâche. Réattaler, pardon, ça va. Ah, ça fonctionne. Let's go! Ok. Oh! Le soleil commença à descendre à l'horizon et l'air devient frais. Les cigales se mirent à chanter, semblant vouloir nous indiquer l'heure de rentrer chez nous. Il faut absolument qu'on ait fini ce soir. Plus qu'un effort. Au début, je discutais encore avec Rena. Mais maintenant, je ne pouvais plus me permettre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, avec eux. Plus qu'un effort, enculé. Ça va. Oh, oh. What the fuck? Il vient de buter Rena, là. Wesh. C'est ça. Attendez, je bois en même temps, je me fais plaisir. Hein. Merde, va chier. Oh. Oh. Encore et encore, j'ai frappé de grands coups de hache. Parfois, des éclats de bois volés. Après l'avoir tué à coups de machette et de pioche, il part de Rena. Soudain, une phrase me revint en tête. Pauvre homme, sa tête a dû voler en éclats dès les premiers coups. Putain, oh non. Il se pose des questions, le mec là. Il ne faut jamais, mais alors au grand jamais, frapper quelqu'un avec une hache. Mais non! Mais gros, il a un gros problème mental de ça. Ou quoi que ce soit d'autre dans le genre d'ailleurs. C'est pas du tout ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de travailler, il fait putain, c'est vraiment je me. Il est en train de penser au meurtre qu'il a eu, frère, et il se dit bah ça serait horrible quand même de faire ça. Bah putain, ça fait mal de se prendre un gros coup de hache dans la gueule. Merci. Allez là, allez, on va voir ce qui se passe. Oula. Oh putain, enfin la poutre céda. La hache emportée par la force du coup rappelle malheureusement aussi la statue du colonel qui était juste en dessous. Ah merde. Non. Il avait eu un bruit assez désagréable et l'un des bras se détacha. Ribozo. Oh mec, le bras. Donc tu vas me dire quand... Ça te fait pas passer un truc le bras? Si. On voulait récupérer une figurine depuis au moins dans le jeu 4 heures pour qu'elle se pète là. Ah ouais. Ok. Il roula jusqu'à mes pieds. Qui ça, Ramus? Non mec, tu t'es pas blessé. Oh putain. Ah, désolé Rena, je... J'ai cassé un bras de la statue. C'est tout, ouf, tant mieux, je croyais que tu t'es coupé avec la hache. La culpabilité devait se lire sur mon visage. Machette et pioche, psychopathe là, réel. Rena reprit avec le sourire. C'est rien, voyons, j'ai réparé ça et je lui mettrai des habits dessus. Le sourire en question. Personne n'en verra rien. Pardon, Thomas. Je vois, bon. Bah, on peut commencer à le tirer, je pense. Tu prends l'autre côté? Il parle du cadavre, là. Ouais. Ah, mais ça me fume, comment ça fait trop penser à ça, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai, il serait, je pense. Oh, mais. La peau, il n'a jamais retrouvé le dernier bras, c'est bien ça? C'était peut-être pour cela que j'étais surpris par le bras cassé. C'est un signe de mauvais augure. Je décide d'en rire, mais j'aurais rigolé jaune. C'est le rêve au rire jaune là. Non. Oh putain, oh non. Si. Rena et Fion savaient que cette affaire n'était pas très plaisante à raconter. C'était pour ça qu'elle faisait semblant de ne pas savoir. J'ai voulu le savoir et maintenant que je sais, j'ai les chocottes. Bien fait pour ma gueule. Keshi, Maebara, tu es ridicule. Ressaisis-toi, bordel. Ok, Rena, c'est parti. Stipa. Mon signal, tu tires un gros coup, d'accord? À la une, à la deux, le trois! Hop! Ouais! Sterne. Ça y est, on l'a eu, Keiichi! Let's go, on l'a eu au bout de 4 heures de jeu! Ah ouais! Wouhou! Enfin! Enfin! Après 2 journées entières d'efforts d'acharnés, nous l'avions, et non, ça faisait 2 semaines. Ils étaient sales et usés! Et s'apprêtait à connaître une fin horrible. Condamné à pourrir assis, mais finalement, une nouvelle vie commençait pour lui. Tu as de la chance, ton nouveau maître, c'est quelqu'un de bien. Non? Oh, Colonel Sanders, tu es trop
trop mimi. Oh là là, je vais vous tuer un jour, les gars. Il était sale comme tout. Mais ça n'avait pas l'air de déranger Reyna, outre mesure. Elle se frottait à lui, joue contre joue, contre joue. J'étais crevé comme tout. Mon avoir son visage resplendissant, je me sentis quand même bien récompensé. Marge. Bon, je vais t'aider à le porter jusqu'ici, toi. Si tu devais le transporter toute seule dans le noir, je crois que les gens appelleraient la police. Dans une balle. Oui, tu as raison. Avec la hache, je rappelle. Merci encore, Keiji, je ne voyais pas ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et les gars, le colonel Sanders, il fait 3 mètres de haut ou... Ouais, bah, j'ai l'impression aussi. Ah, bah, c'est une statue, genre que t'as celle qu'il y a devant les magasins. Moi, je pensais que ça avait genre ça, genre, tu vois. Regarde le stream là, la cam. Je dis ça, tu vois. Ah, non, 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 c'est plus grand. Non, c'est, non. Ouais, non, c'est des trucs. My bad. Au moins 50, peut-être mètres, 1 mètre de haut, tu vois. Putain, bah, je sais, bah, c'est my bad. My bad. Tac. Tu viens de passer ce que j'ai pas lu. Ah, je pensais que tu l'avais, pardon. Sale merde. Oh bah, ok. T'inquiète pas, je te ferai payer ça plus tard. Cher si possible, je vais y réfléchir. En mode sperme, le héros. Oula, je me demande quand je vais pouvoir te rembourser ça. Oula. Ah. Oula. Oula. Comment on attire. Je fis l'un des sourires les plus vicelards que je pouvais et laissa penser ce qu'elle voulait. Voulez une info inutile, Pop, sur les manchots. Vas-y, Migo. Je suis chaud, moi. Ils sont... chauves. Allez, on repasse. Finalement, allez, nous décidons d'entrer la statue avec la nappe et de la porter à deux jusque chez elle. J'espère de tout cœur que Tobitake n'était plus là et qu'on ne rencontrait personne. Rencontrerait personne. Dans la pénombre d'un petit chemin de montagne, jusqu'à la tombée de la nuit, un homme et une femme transportaient une grande forme allongée, une hache et une hache luisante. Mais gros, y'a que des signes bizarres. Si par hasard il nous avait vus, il aurait sûrement pris des photos. Nous aurons dû le supprimer. Quoi? Il parle bien du mec là. Est-ce que c'est important de donner un petit conseil d'ami à un étranger comme moi? C'était bizarre. Cette phrase, sa réaction était beaucoup trop sérieuse par rapport à ma mauvaise blague. Cela cachait sûrement quelque chose. OMG. Et les femelles volent le bébé des autres? Ah, les manchots sont nécrophiles. Ah ouais. Oh, le prénom Reyna. Oh. Ok, ça sent très bon là, moi je vous le dis. Mais c'est la plus fidèle du monde. Oula. Bah let's go, je vais sauvegarder quand même. Et là, Reyna en fait, qui veut dire comme les flammes roses. Qui veut dire le diable. C'est pour ça qu'elle est sur l'OST. Putain, il est trop bon. Ah. Animal totem quoi. Marge Thomas. Pas trop. C'est pas trop ça. Ah ouais, non, c'est toi ça. Là, il est trop con. Je ne vois pas Reyna. Qu'est-ce qu'il aurait vu par hasard? Elle était là il y a une minute. Hey, Fion. C'est pas où est Reyna? Oh, ma truc qui parle enfin. Reyna, elle est au chiotte sûrement. Attends, le stream a commencé depuis 3 minutes et là c'est la première phase de ma 3. Hein. C'est ça me bat les couilles. Elle a dit qu'elle était constipée. Action. D'accord. Ah pardon, c'est à moi. Je ne voulais pas avoir trop de détails. Merci. Ah. Il est lent, Soleil. Il est lent. Il est vraiment lent, Soleil. Très lent, là. Il est broyé de l'intérieur, ce mec. Mais attends, mais Thomas que... Ah oui, donc là, c'est être très très lent, là. J'ai mis du temps, j'ai vu que j'avais mis du temps, du coup, je me suis dit, je vais mettre en question. Satoko, tu n'as pas vu Reyna? En fait, j'étais en train de me poser des questions, c'était quoi la règle du chat? Let's go! Reyna, dis-vous, je l'ai croisée dans le couloir. elle m'avait manqué la voix. Non, moi non. Oh! Elle est corvée aux amis, c'est elle qui doit s'occuper des plantes. Je pense ce qu'elle fait. Excusez-moi, les gars. Oupinaise! Ah, c'est son jour, je vois.
Rainer. Plus j'entendais, plus je la trouvais bizarre, ce prénom. Bah, c'est vrai, quoi. On dirait pas un prénom japonais. En fait, c'est quoi comme prénom, Rainer? Je pense que c'est Fer. Avec quel idéogramme? Du coup, si un jour vous voyez une folle de 1m55 ramasser des clubs sur le bord de la route, c'est moi. Putain, ok. What? C'est psychopathe diff. Rena, c'est un surnom, elle a un vrai nom aussi. Ah bon? Quoi? Attends, je crois que c'était son vrai nom. Moi, Rena Ryugu. Ah, faut doser là. Ah, faut doser. Eh bien, c'est compréhensible puisque nous ne l'appelons pas. Sans sourire. Ouais. T'as mis doping. Elle l'utilise aussi sur ses copies de tests à l'école. Elle l'utilise comme son vrai nom. Gros sur mes feuilles. Ta gueule. Je me demande ce que c'est son vrai nom. Je lui demanderai quand elle reviendra. Tiens, ça m'intéresse pour le coup. Tiens. Satoko et Rika se regardèrent. C'est pas net, il y a un truc pas net. Vous n'avez pas besoin de lui demander directement, nous pouvons vous le dire aussi. Oh, la révélation. Le premier idéogramme, c'est le Ré. Des remerciements. Le deuxième, c'est le Na de la ville de Nara. Son vrai nom, c'est Rainer Ilugu. Rainer? Attends, mais il se fout de notre gueule. Mais Reina, donc je vois, c'est tout. Et ça se dit ouais. Reina et non pas Reina. Bande la signification, c'est de la merde. C'est pas commun. Non, vous n'y êtes pas. Il faudrait normalement dire Reina. Quoi? Reina, c'est spécifiquement demandé de l'appeler Reina. Alors, c'est ce que nous faisons. Reina, c'est stylé, je trouve, en vrai. Kei, Reina et Reina, ok. Les seuls qui l'appellent Reina, ce sont ceux qui ne la connaissent. Eh ouais, bah oui, Jamy. Tu vois ce que je veux dire. Y'a un pas. Qui ne connaissent pas. Eh bah oui, Jamy. Ah, tu vois ce que je veux dire, Vitaï, qu'est-ce qu'il va passer? Pardon. Je comprenais bien ce que Fion voulait me dire. Quel que soit son elle blaze, beaucoup de choses, Fion. Pour nous, elle restera Reina. Reina Ryogo. Pour nous, c'est Reina et rien d'autre. Et donc, si je vous le demandais, vous m'appellerez par un surnom. Dégalé. Non. S'il est suffisamment marrant, tu pensais à quoi? Feur. Dorgos. Il s'écrit dans World of Warcraft. Voilà. Ah la fin, frérot. Oh, Reina revint en classe. Deux élèves à l'entrée lui dirent que nous l'avions cherché. Oh. Tiens. Qui me cherche? Qui? Quête. Fion, voyant cela, me regardait en souriant sournoisement. Oh, puissant grand stratégère. La princesse de fort est tombée dans notre piège. Oh, pénis. Allez, Matro. Oh, c'est cringe. Dargos, tu es premier commandant. C'est le même rire que dans le truc. Complètement le même rire. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez au méchant. Dargos. Oh garde, Actan Arena. Règle nos comptes ici une bonne fois pour toutes. Actan Arena. Attends, quoi? Je sais que le jour où j'irai me bader avec mon copain, j'ai trouvé un monsieur un joli caillou. Et je le marquais la date des deux, je trouve ça mignon. Wesh. Ah, je pensais avec des arbres et d'être avec des cailloux, c'est... Moi, avec des feuilles. Quoi? La politesse, tu fais rien à part un caillou. Tu l'as dit ça, Game? Oui, je l'ai dit. Ah, pardon! Partout à mourir, oui, voilà. Oh! Oh, du calme, voyons. Oh! Aide-moi, Alcor, Venusia, donnez-leur une leçon. Ouais, c'est qui? Bah, à ton avis, Alcor, gros. Oh. Les deux gogoles.
Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Oh. Allez, Magic. Mettez 3 millions de dollars sur mon compte Proxus. Une feuille de zarbre, je l'ai. Oh, c'est grave. Wesh. Alors là, nous n'avons plus le choix. Réna nous a défoncé. Il fallait tirer cette bataille au clair. Voilà, voilà, non mais voilà, ça y est. Avec une pression diabolique, Réna utilise ses fulgos. Et finalement, comme il se devait, les méchants perdirent. C'est la première fois que vous voyez Réna comme ça. Ah oui, les gars, j'ai l'impression de jouer à chat perché là. Ouais. On verrait bien Réna faire un tour du monde pour remettre les gens dans le droit chemin. Elle pourrait commencer par tous les politiciens véreux qui siègent à Nagata. Qu'est-ce que tu en dis? Elle jouerait tous les trucs mignons. La clochette du principal indique à la fin de la récréation. Oh, trop bien, un buste du Z, trop bien. Allez, allez, Keiji, levez-vous, la maîtresse arrive. Ah, c'est trop drôle. Ce que je savais pas, c'est qu'elle va nous tabasser la gueule. Hein. Réna me tendit la main et m'aida à me relever. C'est grave. C'était juste au moment où la maîtresse entrait, comme par hasard. Encore une heure de cours. Ouais. Ah, ça va y se passer. Tout oh. Fanfic sur Zar, je veux. Oh, attends. Sachez que la fanfiction où tu présentes, tu te prends quelques balles perdues. Ah. Sur Zar et Matro. Oh, pinaise. Ah, j'avais oublié ça. Mec, on s'est promis un truc, hein. On la lit. En live, frère. Chargé. J'avais oublié. Quoi? Ah, ok. Mais comment ça, tu te prends quelques balles perdues? Zara, il te prend des balles perdues? Pourquoi je prends des balles perdues? Oh, y'a Fion, putain. Oh non. Pas Fion. Oh, faut se battre par le Paul. Il faut doser là. Il faut doser, hein. Et alors, Gay, qu'est-ce que tu en penses? Kisashi Boli Dana. Oh non. Vous êtes allé chez Reina? Alors, c'est un coin incroyable, n'est-il pas? Oh, le duo. Le duo de choc là. La joke, you. Insane. Mais non, c'est une maison. C'est un peu normal. Marche pas la bouche pleine, je t'ai déjà dit. Je n'ai pas d'accord. Il est pas en train d'avaler. Je suis d'accord. J'ai métivé, gros. Chez les Ryokyu, ils ont préféré modifier un bâtiment déjà existant plutôt que de faire construire un neuf. Ben, la maison est normale. Oh, faut douter. Hein. Mais le jardin. Mes aïeux, le jardin. Ah non, mais aïe, le jardin. Mes aïeux. Tout le jardin est rempli de trucs bizarres et étranges. Peut-être qu'il y a le deuxième bras. Sont des trucs ramassés dans la ville au hasard d'une promenade. Genre des cailloux. Je te jure, c'est elle qui a le bras, gros. T'es quoi? Je te jure, c'est elle qui a le bras. Elle qui a le bras? Oui, frère. Une statue de la petite. Non, ça y est, ça y est. C'est qui la petite Ipeko? Une grenouille Colomone. Les gars, ceux qui ont la ref, lâchez des subs. Hein. C'est la ref. Il y a même un manège Jumbo. Elle avait sûrement joué d'un parc pour gamins dans l'une ou l'autre galerie marchande. C'est un jardin, je rappelle. Oui. Oh. Ok. Avec beaucoup d'imagination, admettons que les statues soient mimi. Cal. Mais la boîte aux lettres des postes, c'est pas un peu limite? Oh, elle est tellement mimi. Gal. Elle est repartie dans ses pensées. Donc plus c'est gros, mieux c'est. Quoi? C'est ce que ma meuf m'avait dit. Oh, sale. Eda, elle a dit, mais c'est de... L'avantage, c'est que toi, elle est petite. Oh, ok, on va passer. Je parlais de ma voiture, mais... Allez, on reprend l'aventure. Il n'y a que l'attaque qui compte ou quoi? Feur. Attends, quoi? Elle va dire quoi, là? Vous devriez voir sa chambre, elle place ses petites babioles et rangées sur ses étagères. Vous avez pu les voir une fois. Casse les couilles la petite.
et les petites filles mignonnes comme Rika sont donc passées dans une cave secrète au sous-sol. Oh non mais à l'aise. Wesh. Zach, je mets tout sous clé. Wesh. Elles sont si mignonnes. Attends, donc elle parle elle au pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ah bah cas, ouais. Ouais, réel. Stylé, réel. Elle rapporte tout ce qui lui plaît chez elle, sans le faire exprès, bien sûr. Bien sûr. D'ivoire. Voir. Je l'ai gardé. Tu connais la grande statue à New York, la statue de la liberté? Tu trouves qu'elle est mimi? Oui, bien sûr, elle ne sait pas les français. Oh oh. Oui, c'est mimi, elle aussi. Elle me le faut. Mal à faux. Oh. Wesh. Attends, je vais le chat un peu. Bah, ma servante passée, j'étais morte. J'ai encore tété des bails chelous en perme, justement. Genre, t'as deal du shit en perme. Stylé, ça. La drogue. Ma chère, je crois que je ne vous comprendrai jamais. Bon. Si j'étais le Pentagone, je commencerais à préparer un plan de défense. Tel que je connais Reyna, la tête de la liberté risque de se trouver à Inamizawa dans pas longtemps. T'imagines? T'imagines ça? C'est un gros foreshadowing. Noir. Désolé de vous avoir tous fait attendre. Enfin, Rika va, revint. Pas marrant d'être convoqué chez le Tirlo. Tirlo, ouais. Oh. Ce qui est marqué, connard. Non, ça y est, Zar, ça y est. Non, mais c'est directement D. C'est D-I-L-D-O. Putain. Ah, ça y est, il faut doser là. Dirlo, ça veut dire directeur, les gars. Oh, ferme ta gueule, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as encore fait pour mériter ça? J'ai brûlé. Bon. Hein? Allez. Mais quel toupé. Alka, brûlé. Vandale comme vous. Alka n'est pas une vandale. Oh. Non, ça n'en est pas une. Elle a tué quelqu'un en fait. Eh, moi, je vais commencer à me taper là, eh oh. Amzhaf. Sérieux? J'ai dit. Oh, pardon, excuse-moi. Katie, tu n'y es pas du tout. Peur. Oh bah non. Rika fait partie du comité de la fête. Ouais. La fête? Merde. De quoi? Ou quoi? Un événement culturel? Nique ta mère, toi, fils de pute. Cake. Pardon, il a dit quoi là? Je t'en ai parlé l'autre jour pourtant. Il a dit cake. Oh non. Hein? Il faut doser. On parle de la fête du village? La fête de la purification du coton. Purification du coton? Non, j'ai rien à dire. Regardez ma pépé, j'ai rien d'autre à dire. Allez. Non. Je vous montrerai pas, non. Non, allez, qu'il faut. Allez, les gars, on y va. C'est parti. Mais pourquoi vous avez rigolé quand j'ai dit Kai? C'est pas Kai? Non, on va pas refaire ce blague. Non, Magic, non. Non, il doit avoir un truc chelou avec. Allez, les gars, là. Les 3K. Putain, mais arrêtez! Je veux lire. Marge! Oui! Putain, je vais péter un câble. Magic! Chiant ce mec! Putain, oh. Il fait que parler! En plus, il peut pas regarder, il va devoir quitter le truc. Oh. Elle avait dit que ce dimanche, il y avait une fête au sanctuaire. Et ça consiste en quoi cette fête? Oh. Enfer. C'est comme la possession des lanternes. La procession des lanternes. On balance effectivement le coton dans la rivière, à la fin, qu'il soit emporté par le courant. Oh, y a plus d'effort là. Et non pas par le cours, mais c'est un peu près le. Oh ouais. Putain. Ah ouais. Allez, la suite là. Allez hop là, on passe le texte. Lui, on l'entend même plus, c'est pas grave, on passe. Et nous leur offrons une sorte de funéraille en reconnaissance de la chaleur qu'ils nous ont procuré tout. En reconnaissance. Moi j'en connais, ils ont pas eu dommage. Hein. Ils se rassemblent, ta gueule, ils se rassemblent tout pour jeter leur vieux futon dans la rivière. Mais alors le courant doit se bloquer, c'est terrible ça. Le courant. Il a lâché le courant. Le courant. Ah, il est grave ce mec. Non, nique ta mère.
Allez. C'est d'aventure les poissons du fleuve qui se prenaient dedans. Les gens pourraient se servir et commencer un concours de bouffe. Ils prendraient des pics de brochettes et avec un peu de sel. Oh putain, ça sent vachement bon tout d'un coup. C'est Erwan le mec. Putain. Je ne serais sûr. Ce ne serait alors qu'un vulgaire feu de camp. Wesh Yorichi, viens sur le stream, mon ref. Il y a une discussion, je suis désolé Yorichi. Mon cerf, votre imagination laisse sérieusement désirer. Pardon. C'est pas grave. Allez. Mais, comment peux-tu savoir à quoi je pense? Oh Itachi. Ça se voyait sur ton visage. T'es en train de manger des chips. J'entends pas connard, je te dis, pas la Et ça donne quoi? Une expression du visage pareil? Oh non, Oh non. Renom mima la tête que je faisais juste avant. Je vois, effectivement. Ça chibou de bref, c'est pas l'extase comme truc. Bah dis donc. Mais tu verras bien. On ira tous ensemble. Oh putain! Oh, y'a plus d'efforts. On ira tous ensemble. Là, ça me fait penser au même là. On baisera tous ensemble. Ta gueule! Je passerai te prendre. Ouais. À vrai dire, je ne vais pas au fait que si je. Attends, je vais redire la phrase. À vrai dire, je ne vais au fait que si je n'y vois. Attends, je vais redire la phrase. À vrai dire, je ne vais au fait que si je n'y vais pas seul. Avec vous, je ne risque pas à demander. STMG diff. Mais penses-tu? Non. Cette année, c'est rebelote, les enfants. Rebelote, hein. Fion jeta un regard à la ronde et déclara fièrement: Rebelote? De quoi elle parle? Avoir sa tête? Encore une fois, notre club écrira une page romancée de la vie estivale de ce village. Attends. Il me faut une personne qui essaie de l'aspirer et d'aller ensemble. Je peux pas me prendre car j'essaie de les casser. Merci, ton blaze hyper long. Je veux le raccourcir. Appelle-moi Mighty. Un streetzer, on m'appelle Mighty. Je programme notre entrée dans la bataille explosive sur 4 fronts en pleine fête de la purification du coton. C'était le seul effort de la soirée de ma patrola. Mec, c'est un effort de garder l'accent. Ça fait pas envie. Tu as le métal dans le chat. C'est dans la con. Oh ouais, bon. Oh non. Les gars, Rena me pète les couilles. J'en ai marre de Rena, les gars, j'en peux plus. J'avais pensé refuser ce nom, tout honnête. Mais je me disserai pour une approche plus diplomatique. Je me contentais de manifester une claire hésitation à approuver un nom pareil. Keiichi est maintenant l'une des nôtres. L'une des nôtres. Ah c'est bon. Après, arrête, l'un des nôtres, c'est bon, on est en 2022. Oh putain. Tu l'as dit ça, moi? Oui, bah oui. Ah pardon, excuse-moi. Avec un petit sourire, Rika se permit une petite correction. Il y a des fois où il faut vraiment faire connaître son avis le plus vite possible. Je vois pas le rapport entre la bataille et la fête. C'est quoi le truc? Je pense que c'est faire le truc. Oh la vie de moi. Ça, je suis pour l'Italie. Vous devrez faire. Allez, mon ref, allez! Allez, champion! Vous devrez faire la preuve des capacités que vous avez développées au cours de l'année. Oh! Exactement! Il faut montrer ce dont est capable l'élite de nos membres de. Les plus astucieux. Viens ici. L'année dernière, le maire nous a fait des reproches. Oh. Il va falloir se maîtriser cette année. Oh, mais ta gueule. Le principe est simple. Nous appliquons les règles du club à chaque attraction de la fête. Attends, Pouli, tu parles et t'es en conversation en même temps là? Non mec, c'est compliqué. Putain. Encore une fois, seul Rika me donna une réponse utile. C'est la seule meuf bien en fait du jeu là. Hein, je vois. Elle est bizarre. Rika, ouais bon, c'est la moins bizarre frère. Après oui, c'est...
C'est vrai, en plus. Nous allons donc montrer à tout le monde le boxon que le que. C'est une théorie, les gars. Ils l'ont, théorie, tué et c'est la blonde là qui a bouffé son bras. Oh là là. Bah, que tu prends ça vraiment, hein. C'est théorie dans ton cul. Regarde là. Allez, gros. Pas étonnant que le maire ne soit pas content. On fout le sbar à l'école. Mais tu sais, on s'abuse vraiment beaucoup. Peur. Ça, je t'en doute pas une seconde, ma grande. Ça doit être un pied monumental. Heureusement, le jour de la fête était très proche. Let's go, ce sera la fête. Ça va être long. Bon, revenons à nos moutons. Oh. Il est temps de commencer à jouer. Vous êtes d'accord? Ça, c'est cringe comme référence. Tous ensemble, les gars. Yeah. D'accord. Wesh, y'a STG dans la classe. C'est compliqué. Ah là. Nos voix résonnèrent à l'unisson. Nos voix résonnèrent à l'unisson, pardon. Quand on est aussi nombreux, le mieux c'est de jouer aux cartes. Elle a pété toute l'ambiance, celle-là. C'est l'une des règles d'or les plus simples, les jeux de table. Eh les gars, on est en soirée. Venez, on joue à un Monopoly. C'est un peu ça, là. Non, on n'a pas dit un Monopoly. Un jeu de cartes, ça. Quel bonheur. Quoi, encore un jeu truqué? Non, aujourd'hui, j'ai des cartes toutes neuves. Let's go. On va encore jouer aux cartes, là. Okay. Nous serons tous à la même enseigne, comme Lidl. Oh, putain, les rêves. J'espère que vous dites vrai. Vrai. D'ailleurs, je vais vérifier les cartes par moi-même. Oh, elle va tricher. C'est une bonne idée, en effet. Nous pûmes nous vérifier que les cartes étaient effectivement neuves et ne portaient aucune trace. Nous pûmes. Vous pute. Qu'est-ce qu'il y a? De qui? Attends, je... Elles sont bonnes. Okay. Les cartes? Vous êtes tous satisfaits? Ouais. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer à la banque des 5. En plus, on est 5, donc c'est impeccable. En plus, on est 5, c'est impeccable. Lolo. Putain. Les gars, vous êtes prêts pour une... Moi, je veux qu'on avance dans l'histoire, j'en ai marre. Oh, ta gueule, Ellie. Encore une fois, un grand classique. Ouais. Un grand classique, les gars. Il suffit de se débarrasser de toutes ses cartes pour gagner. Il faut poser une carte plus forte que celle qui est sur la table. Trop stylé! C'est un jeu tellement populaire qu'il existe des tas de règles spéciales qui ne sont pas appliquées partout. Et c'est là que les problèmes commencent, car chacun a sa petite variante, comme le Covid. Déjà, rien que le blaze! Là où j'habitais, le jeu s'appelait le Truc. D'accord. Oh, ça va être un président! Ah! Ça va être le président, je connais le jeu. Je connais le jeu, c'est le président. Je dois inspecter vos trous du cul. Non, en gros le dernier qui a ses cartes, oh, c'est le trou du cul. Putain. Ah, okay. Il y a le vice trou du cul, c'est l'avant-dernier, et le premier qui a enlevé ses cartes, c'est le président. Après il y a le ministre. Et après c'est le vice-président. Ok, allez, on va découvrir sur le tard. Et celui du milieu, il a rien en fait. Les jokers, ils sont au-dessus des deux ou pas? Non. Pas de question, ça. Mais putain, c'est... Mais il m'a répondu premier degré. Oh, des jokers, c'est des as normalement. Oh, mais non. De quoi il parle, frérot? Non, la carte la plus forte, c'est le 2. Ah, ok. Et aussi, est-ce qu'on peut faire une révolution avec 3? Avec 3-3. Tout 3. Pas de joker. Oh. Voilà. Voilà, je te réponds, Gabe, pas de joker. Et les deux sont les plus forts. Voilà, je te l'ai dit. Putain. Ferme là. Attends. Car vraiment, je préfère être la seule mineure dans une classe où tout le monde a 17-18 ans. Moi aussi, j'aime bien être la seule de cette classe de gens qui a 14-15 ans. Ouais. Imagine, t'es majeur dans une classe de CP. Bon, sinon, on peut continuer. Oui, bien sûr. On peut lancer une contre-révolution. Ah, ça, je connais pas la règle. Ah! Par contre, si tu veux faire une révolution avec des 3, il t'en faudra 4. Comme avec les autres cartes. Hein? Tu connais pas Staline, mon frère? Les gars, on n'a pas besoin de connaître, on s'en branle. On s'en branle, dans tous les cas, ça veut dire. Lis, c'est oui. Pas merde. Et là, bam, ça nous jouait. Putain, oh de... Certains coachs me regardaient avec méfiance, constatant ma grande connaissance des règles du jeu. J'aurais dû me montrer un peu moins aguerri. Il faut dire que j'ai beaucoup joué à ce jeu avant. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes. Je connais le jeu et les cartes sont flambant neuves. Qu'est-ce qu'il y a, Game? C'est pas moi, gros, mais ça y est,
faut doser là. Hein. Aujourd'hui, je peux gagner. J'entends qu'il fait. Oh, force pas trop. Ah, ok. Ok, moi, je vois à peu près les règles spéciales. Genre là, c'est pas toi, Gab. Non. Ok. Genre là, c'est pas toi, Gab. Mais Squid Game du principal. Et là, c'est pas toi, Gab. Que fera-t-on pour les gages aujourd'hui? Que fera-t-on pour les gages aujourd'hui? Allez, qu'est-ce qu'on va faire pour les gages? Bon, en gros, votre ça, j'ai une idée. Nous allons tous proposer quelques gages qui resteront cachés dans un sac chaque fois que la partie est finie. On tire un gage au hasard. Ça vous va? T'avais moins d'air de... Ah oui, pas mal. Phrase. Ce sera sûrement marrant. Non. Très refait, là. Je vais en concocter de terribles, rien que pour vous, mon cher. Mon cher. Sale pute. On peut pas être trop terrible quand même. Imagine que tu tombes dessus, toi. Peur. Bah, il suffit que je ne perde pas et le problème est réglé, non? Oh, en mode le louche. Oh, lui. Vous n'êtes pas si bête que ça, finalement. Fion déchira des feuilles de papier et passa à chacun de nous plusieurs petits morceaux. Il n'était pas censé être en cours à la base? Si. Allez-y, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Placez-les dans les sacs. Dans le sac. Là. Celui qui perd devant tirer un au hasard. Il va trop, la prof, elle rentre dans la salle. Mais derrière, elle se fait du cours. Bon, les gars, aujourd'hui, on va faire un trou du cul. Et elle se barre. Ouais, ils ont pas que choisir. Ils ont pas compris que le jeu ne s'appelait pas le trou du cul. Oui, non, c'est un trou du cul. Oui, oh, mais il l'appelle pas cul, il l'appelle pas comme oh ça. Là, les là, il c'est même pas un trou du cul. Au pire des cas, c'est moi qui me le prends. Ah non, c'est bon. Trou du cul. Il vaut mieux ne pas être trop sadique. Pas de gage, je propose que l'on n'ait pas le droit d'écrire ce genre de choses. Pas de gage. Ça avait l'air innocent, mais comme par hasard, Fion lâcha le papy qui voulait justement placer. Mais Fion, vous trichez? Vous avez écrit aucun gage. Et en plus, vous avez plié un coin du billet. Sale pute. Oui. Elle a... ouais. Bien tenté, marge. Il aurait suffi de tâtonner pour trouver celui avec le coin plié et ainsi ne pas avoir de gage. Voilà, c'est bien pensé, vraiment. Fion Sonozaki, vous êtes un adolescent digne de ce nom. Il vaudrait mieux se méfier de Rika. Celle a réussi à voir à travers ce tour de passe-passe. C'est qu'elle est très forte. On a tendance à l'oublier, mais il ne faut pas la sous-estimer. Non mais t'es pas des trop vaches, d'accord? Personne n'approuvera. Nous étions tous des salauds. Mais ne t'en fais pas, Reina. Il suffit de ne pas perdre. Oui, oui, c'est vrai. C'est logique. Bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va changer d'avis. Elle a beau jouer les gentils, je sais qu'elle n'a aucune pitié. Restons sur nos gardes. Bien, excusez-moi, je me demande bien quelle horreur indicible des gaz de Reina peuvent stimuler. Oula. Plus ça vient, moins c'est parti. C'est pareil. On t'entend pas, frère, attends. Reparle. Les gages de chacun d'entre nous sont effrayants. Attends, j'ai jarté mon paquet de chips, mais voilà, on se présente brouillettement. Tu m'étonnes. Il serait temps. Oh, tu m'étonnes, ma grande. Je veux surtout pas voir ceux qui contiennent les tiens. Tiens. Ce qui veut tout simplement dire qu'il ne faut surtout pas perdre aujourd'hui. Elle a un chat de voix là. C'est clair. Je sais pas où c'est la roue libre aujourd'hui. Nous sais qu'ils aiment tous, qu'on soit du danger. Fion se permit à distribuer. Les autres commencèrent. Ma main de départ était tout à fait décente. La partie allait bon train. Fion jouait évidemment très bien, mais Satoko et Rika montraient un sacré sang-froid aussi. Les seuls à réfléchir un peu plus longtemps étaient Reina et moi. Je pense que Reina était vraiment en train de se demander quelle carte jeter à chaque tour. Mais pas moi.
J'agissais lentement mes crocs, comme un requin à la chasse. Hein? Personne ne monte? Ok, bon bah, j'ai fini avec un 3. Un 9. Pas de 9, un 8, un 7. Et j'ai fini. C'est fini. 2-5. 2-5. J'ai fini. Je n'ai plus qu'une carte, donc je termine. Mercredi, j'ai laissé passer le bon moment pour placer mes cartes. Monsieur Potter, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était Fio qui avait perdu et cédé la première partie. Monsieur Potter. C'est là que j'eus une révélation. Aujourd'hui, je vais marquer, putain, mais y'a tout qui parle, on est pas. Avec le Monsieur Potter derrière. Allez, allez. Monsieur Potter. Ami, tire un gage. Résigné, Fio fouille l'augmente le parti sac et récupère un morceau de papier. Pas de gage. Qui a osé? Un gris qui a ça. Cependant. Fion poussa. Oh, ok, bleu et gris. Fion poussa un cri d'effroi et se mit à trembler comme une feuille. Fais voir, qu'est-ce que c'est le gage? Peur. Fais voir, qu'est-ce que c'est le gage? Wesh, voyons, voyons. Se mettre à poil. Si elle est mal à l'aise, c'est se mettre à poil. Bah non. Apparemment, elle avait l'air secouée. C'est pas. Mais elle est très pâle parce que si c'est tombé sur Satoko, genre. Voilà. Je fous. Elle se l'a fait direct. Qu'est-ce que ça pouvait être comme gage mortel? Oula. Hein? Caresser la tête du directeur. Oh putain. C'est Rika qui a ça. Mais nous on aurait pas osé voir là. Ça n'a pas de tête comme gage alors que. Qu'est-ce que. Il est con lui ou quoi? Faire. Qu'est-ce que vous l'avez jamais remarqué? Il est chauve. Monsieur oh! C'était sûr. Ah, c'était sûr. Satoko avait un regard beaucoup trop sérieux. Voilà. Oui. Mais ça n'explique pas la peur panique de Fio. C'est quoi l'histoire? Monsieur le directeur est un maître dans les arts de combat. Oh! Monsieur le directeur, c'est Saitama. C'est Kuro-sensei, frérot. Ah oui! Pour apprendre les techniques de combat les plus meurtrières. Non, c'est elle, ça arrête. Il ne peut que constater l'état lamentable de l'éducation dans les Japon des années 50 et il s'est reconverti en professeur. Ça me rappelle quelqu'un. Ça, mais d'un seul coup, le directeur me paraissait louche. Et il allait vraiment le casser la tête, ce monstre. Et pourquoi il? Ah, il fallait vraiment le casser la tête, ok. Bye bye. Plus, je suis la chef du club. Il faut que je montre. Ah, Grid! Ça va pas. Il est interdit. Dis ça, frère. De pénétrer les élèves dans la forêt. Ça. Oh là là, c'est Fiu. Voilà, putain. Et sur son Fiu courut hors de la classe. Elle est partie. On aurait pu y aller sur la pointe des pieds pour le surprendre, non? Non. Pardon. Non, parce que c'est Fion. Ça n'aurait pas marché, je pense. Il possède. Il paraît qu'il chasse les escargots en ressentant leur présence. D'un seul coup, j'avais la gorge très sèche. Les gars, je vais éternuer. Il maîtrise le nain en fait. Oh, gros timing. Un grand bruit secoua toute l'école. César qui éternue. Clippez ça, les gars, clippez. Le directeur a commencé à un combo aérien. Wesh. 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 Grogan. Sachez que Zouka. Gamma le gars. Adokan. Après l'avoir coupé en l'air. Il enchaîne faible, moyen, fort. Mais il attend que sa barre de spécial soit à pleine. C'est. Bah, il s'est des cartes de sac. C'est Mortal Kombat. Ouais. Mortal Kombat. Fatality. Putain, t'as des os broyés derrière la porte. Ok, je parlerai plus, les gars, ce soir. Oh, le malaise. Après le bruit des impacts, je dirais que Dirlo a un combat, un moyen fort.
touche plusieurs fois, c'est ça? Non mais ça y est frère, ça y est. Non, 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 non. Il faut doser là. Ça vient directement, dire. Ta mère. Comment veux-tu qu'on sache? On se débrouille pour ne jamais avoir à le savoir. Ah, j'ai faim. J'essaie de ne rien laisser transpirer de mon angoisse. Je comprends enfin pourquoi il n'avait rien parce que c'est un mauvais garçon ici. Après, à l'ours lance, nous entendîmes le pas claudiquant de Fion qui se traînait à nouveau juste en classe. Pas trop. Je lui ai caressé la tête, ça ira comme ça. Faut aussi, voilà, on va pas. Excuse-moi, j'ai pas vu le truc Fion en fait. Gros Fion. Ce furent ses derniers mots avant qu'elle ne s'écroulât. Elle est morte, là Let's go. Oui. Bon, vous y êtes vivante. Poursuivons donc. Espèce de monstre. C'est elle qui dit ça? C'est pourtant elle qui a créé le club. Il faut être positive. Ah. Le gage de Visatros est passé maintenant, non? Non? Rena fut récompensée de ses mots de réconfort par un sinistre sourire de la part de Fion. Oh, elle est pas contente. Plus de pitié, les enfants. Vous allez voir ce que vous allez voir. J'espère que Fion va tout manger les gages. De là, le jeu se fait de plus en plus rapide et intense, réel. La pression était d'autant plus importante. As, suite, 3, 4, 5, j'ai gagné. Je te suis, j'ai fini. C'est une bataille, frérot. Hé hey, 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 moi aussi. Oh non. Et 3, et j'ai fini aussi. Non, j'ai perdu. Les cieux désignèrent Rena comme leur prochaine victime. Je me demande ce que ça va être comme gage. Je me demande ce que ça va... Je sais que ça va être. Je me demande ce que ça va être comme gage. Pardon. Elle avait peur, mais ça se comprenait. Après le gage ultra hard de Fion, tout le monde avait peur. D'une main trempante, Rena lut. Qu'est-ce que c'est que ça? Parlez comme une soubrette. C'est quoi une soubrette? Comme une... Ah. Soubrette, c'est... Une genre de servante, non? C'est ouais, une... Ouais. Genre une esclave. Suivante, une servante. Ouais, voilà. Ouais. De comédie? Une servante, mais voilà, quoi. De comédie, t'as capté, okay. Ou pas? T'as oui, capté ultra ou pas, avancée, la... genre. Ouais, voilà. La servante esclave. Comme une... Souvrante? C'est quoi une souvrante? Oh là là, ça y est, faut doser là. Comment je dois faire? Tu penses qu'il faut utiliser les expressions typiques de chaque profession? Explique-les. Tu ne sais pas. Ah, ah je, on t'a pas entendu dire ça. Ah, je suppose. Ah, pardon. Alors, ta gueule. Ah, waouh! Ok, le drame. Monsieur, j'ai failli m'évanouir. Je ne sais pas quelle idée de ce gage, mais je l'aime. Trop de la balle. Rena, tu veux bien mélanger les cartes et distribuer? À vos ordres, monsieur. Ah le bâtard. Oh putain, ça y est, je peux mourir. Allez, on continue. Rena. Oui, monsieur. Je devais avoir l'air beau à lui adresser tout le temps la parole, mais bon, l'homme est ainsi fait. Oh l'excuse! Et hop! Encore une fois fini. Finito pipo! Je ne peux pas me permettre de perdre. On se remet bien. J'ai fini! Moi aussi! Oh! Oh no! Gringy! J'ai encore perdu! Eh, elle fait pas la voix là! Pardon. Encore Rena? Je me demande quel gage elle aura cette fois-ci! Curieusement, j'étais plutôt excité. Oula! Soudain, tactile. Je suis qu'un gage terrible arrivait. Non, c'était une inconvénient. Enlever un habit du haut du corps et un habit du.
Mais c'était malade. Bah je te l'ai dit frère, il y a la barre comme ça. Mais imagine si ça se tombe sur ça, sur cette toco frère. Remets la censure. Non mais ça va pas non. C'est lui qui a créé sa croix. Qui a mis ça? Ah 100%. C'est Reyna. J'ai pendu de ma chaise tout rouge. Si je n'avais pas réagi, j'aurais été incapable de cacher mon excitation. Qui a écrit ça? Je ne sais pas ce qui est, mais débrouillez-vous pour le décerner, le prix d'or en fait. Oh quel enculé. C'est pas lui qui est le plus de mal. Allô bon mon cher. Il n'y a pas de prix Nobel de sûr. Et de putain, la concupiscence. Putain Je vais sauvegarder maintenant les gars, j'ai très très peur là. Non, faut surtout vérifier qu'on sait jamais. Faut doser là. Je suis prêt à Alt-F4. Mais non. Ah merde, mon visage a encore trahi mes pensées. Oh le con. Oh pinaise. Reyna, les larmes aux yeux, tentait de plaider à sa cause auprès de Fion, mais il se montre absolument inflexible. Oh non. Allez hop hop hop, pas de carte. Non mais attends, j'ai en train d'y penser, elle va quand même pas le faire. Non mais Ralph. Je prends Alt-F4 hein. Je... Très bien madame. Non c'est un troll, c'est un troll, 100% c'est un troll. J'ai regardé de droite à gauche, attendant sur le défi pour l'arrêter, mais apparemment personne ne voulait bouger le petit doigt. C'est un troll ouais. C'est pas possible. Elle a un truc en dessous, genre ils ont des uniformes. Je détournais le regard puis entendis le frottement des vêtements. Lorsque j'entendis le bruit, mat de sa jupe touche le sol et je crois que mon cœur allait exploser. Est-ce à votre goût, mesdames et messieurs? Oh non. Je détournais le regard d'elle en gentleman. Après tout, ce club ne fait pas de cadeau. Non. Oh, ça va. Oh, mais quand même, frère! Je suis sûr, c'est la censure. Non, mais attends, on a passé. Censure, les gars, censure! Non, j'ai collé! C'est bon. Mais non, mais. La grande pas avec la poêle! Non, non. Ok, ça va, ouais. Ah, y a pas d'image mature dedans. Comment tu sais? Bah, parce que c'est pas marqué sur la boîte du jeu. On l'aurait su! Et j'aurais jamais lancé en stream, en vrai. Oui, voilà. Déjà, il y a des lolis, frère. Mon frère, il transpire que vous avez bon espoir de vous électier la spectacle de tout l'autre. Me trompais-je? C'est sûr ça. C'est cool d'apparaître comme ça. Mais rassurez-vous, nous n'aurions pu nous permettre ce gaz si ne portions pas nos uniformes de sport dessus. Ah mais c'est la tombée sur Keishi. Oh putain. Mais du coup, ouais, pourquoi elle a ses uniformes de sport en fait? Je sais pas frère. Parce qu'en fait, ils avaient prévu pour le jeu. Ah, voilà. Ils avaient complètement prévu en fait. Voir c'est elle qui a fait le gage. Hein. Du coup, elle a mis des trucs pour se autocouper. C'est spam. C'est moi, je crois, non? Je sais pas. Bah, t'arrêtes. Hein? Satoko, ça faisait me titiller. Mais à cet instant aussi, je n'entendais plus rien. Ah, bah, c'est. Ah, ouais. Tout va trop, ça va. Dis donc, Kay, tu es malin. T'avais une petite pensée. Ouais, les gars, face. Ah bon. Je ne pensais pas que tu prendrais une approche pareille. Hein? Et. Gabe, c'est toi qui as matché? Eh, mais c'est pas moi. Non, vraiment, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. En vrai, ce n'est pas vous, monsieur. Oh! À l'avoir remis dans toutes sortes de moulants, c'est un t-shirt, ça rend dingue. Il va se cliquer quelque chose si ça continue. Oula, frérot. Frère. Calme-toi, Kishimabara, calme-toi, mon ref. Il veut la violer là. C'est vraiment Fion qui est dans ce piège pour te faire perdre tes moyens. Je ne peux pas sauter la tête la première dedans, tout en sachant ça. Reste calme, reste zen. Analyse bien la situation. J'ai lancé un nouveau processeur de calcul en augmentant sa priorité dans le panneau de contrôle des tâches. Il me fait une réponse rapide. La réponse était extrêmement simple, somme toute. Je dois absolument gagner. Je devais alors l'avatar des dieux. Ça, y abuse pas trop là. Quel obstacle pouvait-il se dresser devant moi? Les cartes les plus puissantes étaient attirées dans mes mains, comme par magnétisme. Oh oui. Ces cartes sont si mauvaises, ce n'est vraiment pas de sens. Je
suis fatigué, les gars, j'ai genre... Tu as perdu, Satoko ? Voyons voir, je tire un gage. Parlez comme une petite sœur. Oh, Nichan ! Appelle Zamo, appelle Gabe ou Nichan, je t'en supplie. Nichan ! Ça la calme, la petite effrontée, là. Wesh. Ah. J'ai perdu. On est Chan. Fion, fion. Voyons cela. Oh. Enfiler le maillot de bain réglementaire des filles. Ça, ça, c'est très très drôle, par contre. Ça, c'est hoche. Non. Non. Je voulais que ce soit toi qui le tire, petit gars. Moi. Je suis Bowser. Ces cris de désespoir sont une douce musique à mes oreilles. Ah ouais. En mode sperme, le mec. Tout le monde va finir à poil. Monsieur. Il y a que Rena qui a perdu pas bien. Rena. Voyons le prochain gage. Laissez le premier se reposer la tête sur vos genoux. Non. C'est Yay qui est premier. Ah ouais, dans cette tenue, monsieur. Oh non. Oh, 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 oh non. Elle ne prend pas de jupe, ça serait jamais en contact. Ah, mais c'est Chris là. Ah putain, mec. Ah, il se fait très Gucci là. Non. Oni-chan. Cher frère, vous êtes trop fort. Encore un gage pour toi, Satoko. Je vais le piocher. Quoi? Je rate quitte le jeu là. Non. Je rate quitte le jeu là. Ça y est. Eh bien, non, c'est pas ça. Ah, ok. Ah oui, okay. Non. Oh non, mon frère. C'est très très crit. Ah la gueule. Allez, gros. Allez. Oh. Et fais attention avec tes ongles. Ah putain, tes dents là. Je vais péter un câble. Zav, regarde ton chat. Oh, j'ai pas vu l'heure, je me lave à 6h demain. Ah, c'est le message d'avant. C'est PH ou quoi le live? C'est qui PH? Il est trop con. T'as écrit sur Google. Non. Pornhub. C'est un truc en physique. Non, mais... Ah, ok, c'est le potentiel. PH, c'est un site définissant potentiellement le hydrogène et qui représente... C'est pas ça. J'en ai pas pu jouer mieux, j'étais devenu l'empereur du mal. J'étais sûr de pouvoir devenir les cartes et zapper dans ma main. Ah bien, regardez, j'étais dans un harem. Il y a que Erika qui a pas perdu. Bon. Ma tête reposait sur la cuisse de Rena qui ressemblait maintenant à la petite sirène. Au pire, c'est bon, c'est pas important. J'ai un TP toute la matinée et c'est qui PH? C'est le potentiel hydrogène. En vrai, Amy, tu peux aller dormir maintenant. De toute façon, il y aura la rediff de live sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. YouTube, abonnez-vous. La cloche. Ta cloche, les gars, la cloche. Le petit pouce bleu. Tu vas aimer. Dans tous les cas, tu vas juste manquer la fin de la bataille. Allez, les gars, on reprend. Tu vas aimer ça. Satoko-chan portait un col de chienne et de me parler comme un grand. Hein? Un grand frère, quoi? Pardon. Viens, me faisait du vent avec un éventail posant un maillot de bain de... Il est trop bien ce bâtard. Aujourd'hui vous êtes particulièrement impressionnant, monsieur. Non, c'est cringe là. Wesh, très très à l'aise. Ah ouais, non mais... Oh, s'il vous plaît, ne remuez pas autant la tête. Oh, arrêtez, je vous en supplie. Voilà. Oh. Je réfléchissais. Pourquoi l'homme ne peut-il pas connaître la satiété? Pardon. Pourquoi ma soif de conquête n'était-elle toujours pas étanchée? Il a pas été joint. Qui a-t-il qui a été tué? Bah oui, Erika n'a pas perdu. Ah oui. Je déplorais justement, mon frère, d'ailleurs, l'absence de limite à la soif de conquête de l'être humain. Ah oui. Bah oui. Parce que Erika, si elle ne finit jamais la première, n'avait pas encore perdu une seule fois. Katie, vous êtes trop gourmand. Apprenez votre place. Il va se rendre un gros karma, je sens. Je sais tout cela. Comment dire? Je n'ai plus rien à regretter.
La mort ne me fait pas peur. Oh. C'était quoi ce... Monsieur, arrêtez de bouger votre tête. Oh. Le frère réagit trop. Vous pourriez mourir, disiez-vous. Ok, là, la fin peut plus s'arranger. Ok. Rika eut alors un petit sourire. C'est une provocation. Elle me déclare la guerre. Oh. Ouais, Rika, vas-y, défonce-le. Oh, les putes. Ouais, Rika, allez. Oh, le scoulier, frère. Ça va, ça gira en limite, le pervers. Je sais pas si j'en serais capable, mais je vous en débarrasserai. Let's go, Rika. Moi, je tiens pour Rika, les gars. Merde, je baise Rika, gros. Quoi? Non, mais hein, t'as compris dans le jeu, ça. Oui, oui, oui. Ça y est. Je la trouve bien courageuse. On a tous compris, mec. Il me faut répondre à cet acte de bravoure. Ce blouson, hein, c'est la moindre des politesses. Ouais, j'ai dit. Viens prendre ta leçon, femelle. Je vis si on passait quelques cartes, Rika, mais décidez de ne rien dire. Je vois quoi dans le chat? Entre 0 et 7, c'est basique. On 7, parle de pH. 9, on parle de pH, là. 8 à 14, c'est ainsi, là. Ouais, ambiance physique-chimique dans mon chat. Ça y est. Ah, si elle croit que cela peut suffire pour me battre, elle se trompe. Avec un frère, moi. 2. Suite de 3. Oh. Révolution avec les 8. Les autres me regardèrent très sûrs d'elle. C'est moi qui vais la battre. C'est tout ce que vous réussissez à faire en vous mettant à 4. Bande de nonos. Vous me faites rire. C'est dans les règles, je crois. Alors. Contre-révolution. Ils sont vraiment trop nuls, les meufs. Il va se faire baiser. Il va se faire baiser 100%. Ouais, ouais. C'est Rika quand même. Oh, c'est impossible. Il est en train de dormir là. Satoko laisse s'échapper un cri. Le cri, attention. Débutante. Rika avait prévu de son jeu en fonction de la révolution. Elle n'avait donc plus une seule bonne carte. Le match est fini en un rien de temps. Non. Quoi? Mais non, mais Rika le perd, j'ai tout cassé, les gars. Rika, c'est la best. Les gens qui savent qu'il fait. Enfin, le dernier rempart de notre résistance est tombé. Voyons le gage. Ouais. Oh oui. Porte un costume avec une queue de chat, des oreilles de chien, un collier avec une cloche. Oh, regardez. C'est Mario Chat. Il est trop content. Regarde, c'est Mario Chat. C'est Mario Chat, les gars. C'est Mario Chat. Eh les gars, quand t'as un costume de chat, on dirait Mario avec un costume. C'est Mario Chat, les gars. Il est trop content de sa casse. Non mais vous êtes sérieux là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez combien de QI mental là? 7. 2. Oh là là. Les gages sont de mieux en mieux. Il s'est mis très Gucci là, le mec là. Rika met les trois habits divins en rechignant. Je me demandais pour quelle raison le casier judiciaire de Fion contenait ce genre d'objet. Mais comme moi, c'était tout bénef. Je préférais ne rien dire. Qui oui, Amy. Ah putain. Allez, on reprend le jeu, les gars. Y'a vraiment rien qui change là. Wow. Alors ça, oulala, et bah ma foi, je commençais à comprendre Reyna, elle était mimi, y'a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est cringe. Wow, elle est mimi, hein, quelle est mimi. Quelle. Oh, le terme est mimi dans le chat, là. Sans noir. Mais c'est bizarre, l'ambiance, là. Hétéro-curieux. Alors, il y a un mot, frérot. Reyna en profiterait pour passer son commentaire fétiche. Ça part en vrai. Bark. Non, ça y est. Lorsque Rika, les larmes se mirent à miauler, tu vois, plaintive, on en dit un pouf.
La grande vapeur s'éleva doucement au-dessus de la tête de Rena. Oh non. Non, non. Oh, Rika, je t'emmène chez moi. Je t'emmène dans ma chambre. The B. Mais juste un peu. Je le ferai pas, non, non, non. Je regarderai juste et je le ferai pas. Ah bah non. Oh, Binaise. Ah, mais bien sûr. Oh, la dégaine, non, mais ça. Il découle le jeu comme ça, gros. Ça fait du rire, gros. Elle est comme ça, genre, ah, regarde. Elle est comme ça. Oh là là. Apparemment, Fibre avait une idée. Oh non. Si vraiment tu insistes, Rena, je vais bien te suivre dans ta chambre. Quoi? Peur. Mais seulement si vous réussissez à battre Kaifi. Kaifi. Elle croit pouvoir me vaincre, ça peut me repenser au Rena en mode mimigal. En gros, pour ceux qui n'ont pas la ref, attendez, je vous montre. Oh non, mec, j'en peux plus, je vais dormir. C'est lui. Je l'envoie au goulag. Regarde, c'est lui, c'est Mimigal. C'est Mimigal. D'ailleurs, son émotion, c'est Mimigal. Non, franchement, dans tout ce qu'on cherche, j'ai éclaté. Dépêche-toi, je te jure. Pardon. Je ne crois pas que ça suffira, les enfants. Qui se rebelle contre moi se rebelle contre les dieux. Ah oh, oui, je vais vous apprendre à vous tenir. Rondelle, je vais montrer c'est qui. Nirondelle. Je ta mère, vraiment. Dépêche-toi, la vie de ta mère. Putain, mais dépêche là. Pardon. Vos astuces minables n'y font rien. Je vais vous démolir. Pendant un instant, je ne compris plus ce qui se passait. Des cartes formaient un serpent ondulant, passant et repassant d'une main à l'autre de Rena. On aurait dit un tour de magie. C'est quoi là? N'importe quoi. Au milieu de ce rebord de cartes, je voyais la tête de Rena. Voile de droite à gauche, comme folle, les yeux empreints d'une expression de délire. Allez, Keiichi, un match. Vite. Un match, vite. D'un seul coup, je ressentis une certitude dans chaque fibre de mon corps. J'allais perdre Nani. C'est fini. Pardon, mais la dégaine. Tu peux pas. Attends, tu ne peux pas monter. Oh ouais, non, Libia, c'est suffit. Il arrête de faire des mots. Alors, les gens qui monter. Disent ça alors que eux-mêmes n'ont pas lu une seule fois. Ah, tu ne peux pas monter, c'était le truc. Oui, c'est pardon, non, mais là c'était le mot. Kay, tu ne peux pas monter sur ce pli, alors j'ai fini. Let's go. Tu peux pas monter sur ce pli, hein. Les autres poussèrent un cri de victoire pendant que la flamme ardente en moi s'étiolait. En légende. Ah là là. Bah, c'est pas grave. Je remercie les dieux pour ce bref instant de pur bonheur. Ah ouais, donc là... Le gage. Ah, il va trop, ouais. Je vais tirer votre gage. T'es comme ça, genre... Ce trip. Ouais, je suis en train de... Mais il y a encore en train de bouffer, là. Êtes-vous prêts, mon frère? Mais non, mes frères, c'est abusé. Voici le gage. Toute l'opinion, je pense en tout, bon. Excusez-moi. J'ai suffisamment de bonnes choses aujourd'hui. Je pense que je peux accepter n'importe quel gage. Alors, c'est quoi? Tous. Oh putain. Pardon. Je vais me faire casser la gueule. Faire tous les gages jusqu'à maintenant. Non, ça y est. Ah, c'est quoi ce délire? Donc, s'il met le maillot de bain, il enlève le haut et le bas? Ouais. Est-ce qu'on va avoir notre perso avec tous les trucs? Non, j'espère. Mon cher, vous ne parlez pas comme un petit frère, vous devriez faire attention à votre langage. Très bien, ma chère soeur. Ah, je pourrais vous l'entendre dire des milliers de fois. Sans mon lacet. Ça va, c'est bouli nana. Attends, et venez donc me faire un massage. Putain. Oh le twist. T'as peur.
Kenji, bah, dans un sens, il est gagnant. Tu rends un fils de pute. Kenji, bon, bah, pas dans un sens, de la tête sur tes genoux, mais par contre, un petit massage, je ne dirais pas dans ce sens. Tu massages là ? Bien, madame. Non, c'est pas comme ça. Bien, madame. Bien. Kenji, c'est trop mignon quand tu me dis encore, encore. Je vous en supplie, vous me gênez. Arrêtez, madame. Reyna se mit à s'étudier et semblait par terre. K.O. Un sourire bait sur les lèvres. J'ai l'impression que ma virginité avait été vendue aux enchères pour une bouchée de pain. Oh bon, ça va. Pardon. Ça virgule. Non, ma trop. Ah pardon, à toi maintenant. Putain, ah oui, à toi. ah ouais, donc là. À moi maintenant, non. Oh là 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 là. Je vais mourir, mec. Je vais mourir, j'en peux plus. Bah respire. Tu vas commencer par me faire un peu de vent lentement, tu as compris. Peur. Fuch. Tiche. Oh, mais j'y pense. Tu dois aussi porter ça, n'est-ce pas? Razit, c'est un Pokémon. Ah, des amis. Le maillot de bain. Ouais. Deux. Oh, attends un peu là, c'est un maillot de fille, non? Tu peux garder le maillot des garçons quand même. Il a marqué ici précisément The Six, le maillot de bain réglementaire des filles. Du coup, on va avoir ses grosses couilles. Hein. Ça te coûte pour une bonne usurière. Mais là, c'était pas le problème. Je suis encore une fois en train d'essayer de fuir la réalité. Si ce. C'est hyper mignon ça. C'est hyper mignon. Mais enfin, quand même. Lequel je vais mettre. Et puis même. Ça vous dégoûterait pas de savoir que je l'ai porté, sérieux? Ah t'inquiète pas pour ça, moi ça me dérange absolument alors pas. Alors elle, je sais qu'elle est très bizarre mais là c'est... Oh là... Putain. vois ça comme une expérience unique. Wesh. J'en peux plus, mais mon cerveau il va bouillir. En plus j'ai pas de mensuration de rêve donc tu devrais pouvoir entrer dedans. C'est dégueulasse. Sans problème. J'ai pas des mensurations de rêve. Non, des mensurations. Je fus saisi par les bras et les pieds tandis que mes bourreaux s'approchaient lentement. Non. Putain. Y'a pas tes coups de ça. Ok, on va voir notre perso. Première impression, serré au ventre. Deuxième impression, un peu large au niveau du torse. Les couilles. Troisième impression, ah, mes burins. Et tu se penches en avant, tellement vivi. Et pour compléter le tableau, voici les oreilles, la clochette et la queue de chat. Let's go! Bande de connasse. Ouais, ok, tu veux un miroir? Non, sérieux, ça vaut vraiment le coup d'œil. J'ai pas envie de voir aussi. Et c'est changé en plein milieu, genre. Tu devrais voir à quoi tu ressembles, vraiment. Ah, j'ai un truc à dire. Du coup, c'est le mec le plus âgé de la classe. Tout autour de lui, il y a que des maternelles. Et le mec, il est habillé comme ça, genre. Ouais. L'ambiance hétéro curieux. Je ne savais pas si je devais plus avoir peur du ridicule ou de l'intérêt quasi scientifique que je pouvais lire sur son visage. Quoi? Je pense que cela ne sera pas nécessaire, madame. Bien, fort bien. Oh putain, ouais. Je vais mourir, mec. Oh, les 2000 de ping. En fait, je suis en train de faire autre chose à côté en même temps, sinon je tiens pas en fait. Ah si seulement vous aviez en plus dû rentrer dans cet accoutrement à la maison. C'est parfait. Je suis en train de mourir, mais vraiment. Bon, ça ira comme ça, je peux me charger maintenant. Je sentis une main sur mon épaule. Riga sautait souriante et silencieuse derrière moi. Oh. Ça n'est pas fini, Keiichi, j'ai peur. Oh non, oh oui, bah oui. Oh bah oui, oh c'était non. Tu sais quoi? Les vêtements, hein, enlevés, bah oui, un truc du world. Ah oui, c'est vrai. J'avais dit. Yep. Dans cette tenue. Rika ne répondit pas, mais elle se mit à caresser la tête. Elles sont cheloues. Oupinez. Ça nous avance en rien. Oh ouais, putain, c'est ça le premier gage. Monsieur le directeur, puis-je vous déranger? Ah ok, j'ai peur. Je le perds, je vais. Entrez. Je pénétrais dans le bureau du directeur, faisant teinter ma clochette par la même occasion.
Ça faisait une petite musique très mignonne. Le directeur me sourit, mais il était fiché comme un ordinateur qui a planté. Bah, c'est compréhensible. Nous étions dans un temple du savoir, un lieu sacré qui plus est dans le bureau de sa plus haute instance. Qui eût cru qu'un élève aurait été de porter le maillot de bain des filles et d'y arrêter un serre-tête en oreille à chat, un collier à clochette et une queue? Surtout si l'élève en question est un garçon. Le commun des mortels ne pourrait pas embrasser le complexe absurdité de cette situation, mais c'est un phénomène facile à expliquer d'un point de vue scientifique. En effet, l'être humain ne peut réagir à une situation seulement lorsque son cerveau lui a transmis et décodé l'information. Et lorsqu'il a compris qu'il avait affaire à un phénomène logique. Il est philosophe. Ce genre de comportement est d'ailleurs à la base de l'art du camouflage. Mec, il est en train de réfléchir en prenant des pauses, t'sais, alors qu'il est habillé en chat. C'est que ça, par déduction que celle-ci ne comprend pas à qui ou à quoi elle a affaire, elle restera parfaitement immobile pendant que son cerveau essaierait de trouver une explication à cette nouvelle situation. Bon, on a compris, hein. Et c'est là ma seule chance de réussir. Il me faut lui caresser la tête. Monsieur le directeur, en garde. J'ai entendu par trois fois un signal. Il dirait que c'est la technique secrète. Il prononça alors ces quelques mots. Tu sais ce que c'est la virilité. Oh putain. Soudain, il n'y eut plus de son. Alors on est mort. Tu sais ce que c'est la vérité, mon garçon. Oh merde. Un bruit assourdissant résonne dans le soleil couchant. Il t'enculé le... Let's go. C'est enfin fini, let's go. Sur l'histoire, on a vu que Tom Itake que 5 minutes sur l'histoire. Et on n'a pas avancé, mais c'est pas grave parce que